Abai pray. Di apa nama le pray? Kau abah kau saya dengan dia wanita jaga bersih. So that yang, cik cik. Ni siapa bu? Merci. Vous savez que la moindre parmi nous, la moindre chemin parmi nous, il y a des gens qui viennent passer par ici. Tout à fait. Pour vous parler de la vie du président Laurent Gbagbo. Et vous avez invité tous à aller accueillir en ordre et la discipline. Vous avez répondu massivement à cet appel. Vous avez répondu dignement. Vous êtes rendus nombreux, extrêmement nombreux. Hier, jeudi, 17 juin 2021, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour accueillir le président. Mais on sait un peu ce qui s'est passé hier. Il y a eu des violences. Il y a des violences contre vous, contre nous. Alors qu'aucune restriction n'avait été posée à l'organisation de l'accueil. Alors qu'aucune interdiction ne frappait cet accueil. Parce que si vous avez dit, eux qui sont au pouvoir, que bon, on ne veut pas que vous vous accueillez le président, c'est interdit, on se serait exécuté. Mais ils nous ont rien dit. Et donc, nous, naturellement, on vous a appelé à venir nous accompagner pour accueillir dignement le président Laurent Gbagbo. Donc nous avons été désagréablement surpris de voir que dès 6 heures du matin, déjà même la veille, la répression avait commencé. Et il s'est exercé sur nous des violences inacceptables, des violences injustifiées. Et ces violences-là se sont poursuivies pratiquement toute l'après-midi. On était même dans l'enceinte de l'aéroport quand on entendait encore des détonations. Voilà. Mais d'une extrême violence, gravité, autour de l'aéroport. On a eu même peur. Donc, c'est dans cette ambiance quand même que le président est arrivé. Vous l'avez quand même accueilli comme il se doit. Dans la ferveur, dans la joie, dans l'enthousiasme. Et puis bon, rien ne s'est passé. Mais il y a eu des arrestations. Non,
Le soir, quand nous sommes rentrés, j'ai quand même pris mon téléphone pour appeler tous nos responsables, tous les secrétaires généraux de l'agglomération, pour savoir s'ils sont effectivement bien rentrés. Et puis, voir si, parce que compte tenu de la violence, ils savaient à peu près qu'il y aurait des pressions. Donc, de nous faire un peu le point de la situation. En général, il y avait plusieurs blessés, mais dont un particulièrement profond. Il avait reçu une balle en pleine jambe. Donc, nous regrettons cette violence-là. Nous regrettons cette violence parce qu'on aurait pu les éviter. Et puis c'était inutile. Voilà. C'était vraiment inutile. Parce qu'il ne s'agissait que d'un simple acte. Vous avez vu, quand vous avez le 17h, les violences ont cessé. Dès que le président est arrivé, vous avez vu que tout s'est bien passé. Les jeunes se sont amusés. Ils ont accompagné le président tranquillement. Je me dis, après l'arrivée du président, il n'y a plus eu de problème. Ils s'est séparés tard dans la nuit. Et les gens sont rentrés chez eux tranquillement. Donc c'est pourquoi j'ai dit que ce sont des violences que l'on aurait pu éviter. Mais malheureusement, il y a des blessés. Et nous sommes là cet après-midi pour Oudiyapo. Parce que vous savez, nous sommes le Front Populaire Ivoirien. Et nous sommes toujours solidaires de nos militants, de nos sympathisants, de tous les Ivoiriens. On ne pouvait pas, après avoir appelé les Ivoiriens à accueillir le président, qu'ils aient été violentés, blessés, qu'on s'éteint grièvement, et puis qu'on reste chez eux. Non, ça ce n'est pas du FPI. Donc nous sommes venus pour vous dire, pour vous exprimer tout notre soutien, toute notre solidarité. Et nous tenir à côté de vous, à côté de la présence ici, quelques jours après le grand meeting que nous avons fait, et au lendemain de l'arrivée du président. Allez, on l'a dit. Donc le président lui-même, il est arrivé hier, il est très heureux, il a lié son pays. Maman, on peut s'en bas. Vous êtes en bas. Ailleurs. Non. Il est en bas. Je suis en bas. Ah, Vincent. Voilà, il est en bas. Je suis en bas. Je suis en bas. Il y a des gros, 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 il y a des g
C'est la génération au pouvoir, c'est eux qui sont au pouvoir ici à Bonnois. On les appelle les Moudjou, c'est eux qui sont au pouvoir. Dans toutes les cérémonies, c'est eux que vous verrez. Il y a des personnes plus âgées, mais c'est eux là qui sont au pouvoir. Donc, ils disent que, en tout cas, ils ne s'attendaient pas à une telle visite. Pour eux, c'est une surprise, mais une surprise de taille. Et cela démontre que vous saurait prendre soin des Ivoiriens. Parce que c'est seulement hier que les camarades ont été blessés. Et ce matin, malgré vos occupations, malgré vos nombreuses charges, vous avez choisi de venir leur rendre visite. Cela ne leur va pas au cœur. Cela démontre que vous pensez à eux, vous prenez soin d'eux, et que chaque fois que les Ivoiriens seront confrontés à une telle situation, les gens de vos qui sont blessés, il y a eu des blessés dans tous les temps. Et ils sont blessés partout. Et ils souhaitent que ces blessés-là puissent connaître ce qu'eux, ils connaissent ce matin. Que les autres aussi soient visités pour que aucun d'entre eux ne se sente abandonné. Aucun d'entre eux ne se sente abandonné. Il me charge ici tous les vice-présidents qu'eux, ils sont derrière le président Mbambou. Ils sont derrière le président Mbambou aujourd'hui. Ils sont derrière le président Mbambou demain.
nous serons avec lui pour toujours. Malgré toutes les étiquettes qu'on peut coller à Benoît, Benoît restera attaché à la personne que nous avons. Et donc, voilà en gros ce que le porte-parole a dit. Et il est traduit au président Laurent Gbagbo leur détermination à accompagner Jésus. Frère disent que au nom du papa, chez nous, la canca, on reçoit un métier de mal. On lui donne toujours une bouteille de gin pour laver ses pieds. Une bouteille de gin accompagnée de ce qu'on appelle le local, le coutou. C'est pour laver les pieds du président. Comme il a marché, il a apprécié sur ses pieds pour laver. Pour terminer, le camarade a dit que hier, tout le monde a vu un signe dans le ciel. Au moment où le président Laurent Gbagbo devait venir, on a vu que la lune normalement c'est la nuit que la lune sort. Et hier, il y avait le soleil et la lune dans le ciel. Et ils ont compris que c'est Dieu lui-même qui a accompagné le président Laurent Gbagbo. C'est lui-même qui a tout fait pour que les intentions que les gens avaient, que la camis, en tout cas, que ce soit aussi, grâce à cela. Donc, il demande à tout le monde d'inclure Dieu dans tout le projet, dans tout ce que nous avons fait. Donc, en gros, c'est que. Quoi? Qui est que yo! Yo, parfois! Yo! Tu as des cérémonies. Parmi eux, on va demander. Il y a un chien qui va pas qu'un. Il y a un chien qui va pas qu'un. Vous voyez, il y a un café. Yo! Maintenant, on va venir par mon avis. Il y a quoi? Il y a un chien qui va pas qu'un. Après quoi ne? Ah mais somba quoi? Somba ou? Ah mais somba ou? Aïe somba. Eh y'a mais pas assez. Y'a pas mal d'amis ou? Oh on a ça. D'amis ou? Amen.
Ok, en tout cas, merci beaucoup. Oui, chef. Comme vous l'avez si bien.